tient si important, ce sac. Vous sortez, vous allez chez le prince. Vous sortez! Pousse-toi! Mais t'as trop pris la confiance, toi! Bougie! Allô! Allô, j'ai ouvert terre! Comme à la télé! M'approche pas! Bonjour, vous êtes bien Madame Bergerac? Brigadier chef Labouret. Que se passe-t-il, madame? Est-ce qu'il s'agit d'une prise d'otage? Madame Bergerac! Madame Bergerac! Bon. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir faire un cours. Quel était le vrai nom de Molière? Vas-y, va niquer ta mère la pute! T'as dit quoi, là? Va niquer ta mère la pute! Ah, mais arrêtez, madame, là! Quel était le vrai nom de Molière? Madame Bergerac, il faut que nous comprenions ce que vous voulez. Je peux très bien comprendre que vous avez pété un câble, ça peut arriver à n'importe qui. Déjà, au plan pédagogie, je lui ai dit qu'il n'était pas conseillé de venir en jupe dans cet établissement. Alors, mais évidemment, elle fait exprès de venir en jupe, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont vos revendications? Je veux que dans les 2 heures, le gouvernement instaure un jour de la jupe dans les collèges. Ce sera un jour où l'État affirme qu'on peut mettre une jupe sans être une pute. N'arrête pas de vous répéter que ça va péter. Vous faites rien. Je vous préviens, s'il arrive quelque chose à ma copine, je vous tiens pour responsable. Laissez-moi encore un peu de temps, madame la ministre. Une intervention présente des risques. Vous voyez que j'ai envie de morfler, moi? J'ai pas déjà assez morflé comme ça? Si je pars, j'aurai une protection policière. Vous me donnerez une nouvelle identité? Bien sûr. Et 1 million de dollars pour refaire ta vie. Et ma main dans la gueule!